Alléluia. Amen. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore la preuve de sa fidélité qu'il fait de nous les élus de ce jour. Nous sommes heureux de vous avoir si nombreux à l'écoute. Car la parole de Dieu est pour nous une source de vie. Alors ce matin, je vais vous inviter à lire avec moi dans Hébreux le chapitre 4, le verset 14. Hébreux le chapitre 4, le verset 14. Nous lisons. Ainsi, puisque nous avons un grand sacrificateur, un grand souverain sacrificateur, qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous confessons. Amen. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous voulons te rester reconnaissants pour ta parole que nous lire. Aide-nous par l'action du Saint-Esprit à la comprendre. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le sujet de notre message ce matin est intitulé Jésus, notre grand sacrificateur. Jésus, notre grand sacrificateur. Dans le système lévitique, le sacrificateur avait un rôle très important. Il y avait des sacrificateurs et au-dessus des sacrificateurs, il y avait le souverain sacrificateur. Alors, ce matin, il s'agit de Jésus, le souverain sacrificateur. La supériorité de Jésus sur les anges est notifiée dans ce passage. Le livre d'Hébreux nous montre que Jésus est supérieur aux anges et il est supérieur aussi à Moïse. Dans ce passage, il va nous montrer qu'il est aussi supérieur au souverain sacrificateur. Moïse était l'homme le plus important pour les Israélites. Car c'est lui qui a délivré les enfants d'Israël de l'Égypte. Donc il le considérait comme le plus grand homme. Alors ici, dire que Jésus est plus grand que Moïse n'était pas facile aux yeux d'Israël. Mais notre Dieu nous a révélé par ta parole que Jésus est plus que Moïse. Il est plus que le souverain sacrificateur. Et ce souverain sacrificateur qui avait le rôle capital, que le peuple d'Israël, après sa sortie, a eu avec pour nom Aaron. Donc si Jésus est supérieur à tout cela, c'est dire que le sacerdoce de Jésus est supérieur. Le sacerdoce de Jésus est supérieur.
pour lui quitter. Aucun de notre sacrificateur ne peut se comparer à lui. Il est le plus grand. Il demeure le plus grand. Et il sera le plus grand. Alléluia. Parce que tous les souverains sacrificateurs du système limitique a connu ont tous connu la mort. Ils sont morts. Et ils ont eu le successeur. Mais Jésus, le souverain sacrificateur, il est mort, mais il est ressuscité. Il n'a pas eu de successeur. Parce que lui, il est vivant pour les capoter. Aaron est mort. Il a eu le successeur. Mais vous tous qui placez votre confiance en Jésus, il est le souverain sacrificateur qui ne meurt jamais. Alors Jésus est supérieur à tous les grands sacrificateurs par ses actions. Il est le maître de la nature. Il est le maître de tout pouvoir diabolique. Il est le maître de tous les grands hommes utilisés dans l'histoire. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus a été mort. Alléluia. Amen. Il est dit qu'il a traversé le ciel. Il a traversé le ciel. Et il est venu sur la terre. Et il a vaincu Satan sur la terre. Il a traversé la terre. Il est descendu sur la terre. Il a traversé le dessous de la terre. Et il est remonté au ciel. Où il est assis à la droite du Père. Dans sa gloire. Jésus, le souverain sacrificateur, il dépasse tout sacrificateur. Si nous avançons vers ce pays, la Bible dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Amen. Amen. Malgré sa spiritualité, il est accessible. Jésus est accessible. Tu peux t'approcher de lui. Tu peux le parler. Il peut t'entendre. Il peut te comprendre. Il peut te guérir. Il peut te secourir dans tes problèmes. Car la Bible dit qu'il a été comme nous. Et il cherche comme nous. Il cherche qui est rempli de désirs. Qui a suscité ou faiblesse. Il a été dans cette chair. Et il a été tenté en toutes choses. Mais il n'a commis aucun péché. Voilà la grâce, mon frère, que tu as. Voilà la grâce que tu as, ma soeur, ce matin. Toi qui souffres. Toi qui as péri. Dans la chair de faiblesse, la chair que tu as, c'est dans sa
faiblesse. Il peut combattir à nos faiblesses. Jésus peut te soutenir. Jésus peut te comprendre. Jésus peut te sortir de la situation. Demeurons fermes dans la foi que nous professons. Demeurons attachés à la foi que nous reconnaissons comme vraie. Nous traversons les mains difficiles où nos espoirs sont en train de s'évanouir. Et le désespoir s'installe. Le découragement envahit notre être entier. Mais laissez-moi te dire, Jésus est ton souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur est chargé de prendre les péchés, les fardeaux de toute la nation d'Israël pour les présenter à Dieu. Jésus, en tant que le souverain sacrificateur, il s'est déjà chargé de tes péchés. Il est prêt encore de se charger de tes difficultés pour les présenter à son Père comme un avocat auprès de ton Père. Mon frère, ma soeur, Jésus est là, il ne change pas. Oui, il est fidèle. Il ne trahit jamais. Il est vainqueur. Il te transfère sa victoire. Nous allons lire le dernier verset de notre message, c'est le verset 16. L'auteur des Épîtres aux Hébreux nous exhorte. Approchons-nous donc du trône de Dieu de grâce. Avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté. Là, Dieu nous donnera sa grâce. Pour que nous soyons secourus au bon moment. Alléluia. Mon frère, Dieu a déjà tout pour lui. Il te suffit de s'approcher. Quelle que soit ta situation, quelle que soit la pression à laquelle tu es victime, approche-toi de Jésus. La Bible dit, il faut s'approcher avec assurance. Il faut s'approcher du trône de la grâce avec assurance. Là, Jésus t'attend. Là, il t'accorde la solution. Là, son secours t'est réservé. Là, ta délivrance est assurée. Là, ton relèvement est garanti. Ne crains pas les pas. Approche-toi de Jésus. Ce matin, que le Seigneur bénisse dans votre volonté, vous approchez davantage de Jésus. Par ce moment de confinement, c'est le moment le plus propice pour nous approcher du Seigneur davantage. Et là, nous aurons le secours du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Père Saint, Père Créateur, ta parole vient d'être annoncée comme une semence jetée dans ce champ. Arrose-la par le Saint-Esprit pour qu'elle produise des fruits dignes de repentance. Et faire permettre ces
Seigneur, ton peuple de s'en sortir victorieux. Comme toi, tu t'en es sorti victorieux. Accorde à ton peuple sortir victorieux cette tentation. Sortir victorieux cette épreuve. Dans le nom puissant de Jésus. Jésus Christ. Amen. Amen.